Coronavirus! Coronavirus, il faut tenir bon. Allez les virus! Coronavirus, ton positive un peu plus. Je peux bosser au bercail avec le télétravail. J'évite les embouteillages. Dommage que ce ne soit qu'un passage. On limite tous nos déplacements et donc nos gaz d'échappement. Avec bien moins de pollution, c'est l'écologie solution. Coronavirus, on a peur d'être contaminé. On doit donc rester confiné. Le week-end, c'est loisirs d'intérieur qui permettent d'oublier nos peurs. Si on se lave tous bien les mains, nous languissons d'être demain. Pour ceux qui en est des spectacles, ce n'est pas du tout la débâcle. Les artistes viennent vers nous et ça nous coûte pas un sou. Coronavirus a quelque chose, malheur est bon. Coronavirus, on en sortira sûrement moins con. Ce qu'il y a bien avec ce virus, c'est qu'on est con. Comme on sort moins faire des courses, forcément on monte nos bourses. Bravo à tout le corps soignant qui prend des risques en travaillant. Dommage que le gel alcoolique soit fait en pays asiatique. Coronavirus, si on se sent un peu solitaire, coronavirus, ça n'empêche pas d'être solidaire. On regrette les bisous d'hier, en effectuant les gestes barrières. Malgré le cocon familial, je suis en manque de lien social. Faisons donc acte de civisme, ça vaudra mieux que le pessimisme. Et la meilleure des précautions, c'est de rester à la maison. Coronavirus, on doit rester à la maison. Coronavirus, il faut se faire une tout ça risque d'avoir un coup. Et pour pas qu'il y ait trop de chômage d'un coup, faudrait que la main d'œuvre soit d'ici et y aurait peut-être moins de pandémie. Du coup c'est vrai qu'acheter français a besoin d'être encouragé. Ça nous rendrait un peu plus fort. Ce serait bien de faire des efforts. Coronavirus, il faut tenir bon. Allez les virus. Coronavirus, ton positive un peu plus. Coronavirus, on a peur d'être contaminé. On doit donc rester confiné. Coronavirus a quelque chose, malheur est bon. Coronavirus, on en sortira sûrement moins con. Coronavirus, on doit rester à la maison. Coronavirus.
trouve trop solitaire. Coronavirus, ça n'empêche pas d'être solidaire.